بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات، مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها عبر هذه القناة. أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات، أيها المستفيدون من هذه الدروس فضلا منكم وليس أمرا، المرجو منكم المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس كي يصلكم دائما الجديد، كما اطلب منكم المزيد من التشجيعات باللايكات ديالكم وعبر لي كومونتير ديالكم والتعليقات ديالكم، وشكرا شكرا جزيلا لكم. بونجور ا توس، بونجور ا توت، بونجور ا تيليفون دو ما شين، جيسبيغ كو فوز الي توجور تري 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 بيان. كوم دابيتود ما بريزونس اوجوردي سي بور فو بريزونتي اون نوفيل لوسون. لا لوسون دوجوردي سي تو لوسون دو ماتيماتيك. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégial. L'objectif de notre leçon, c'est d'identifier l'asymétrie centrale. Page 135, manuel de l'élève. Soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques, première année cycle collégial. Chapitre 10. La leçon concernant le chapitre 10, la symétrie centrale. La symétrie centrale, page 135, manuel de l'élève. La leçon, c'est la symétrie centrale. Maintenant, ça n'adore le magazine. Alors, quand j'apprends le cours, c'est la première séance en symétrie. Alors, premièrement, on va commencer par la symétrie axiale. Ça n'adore le mihwari. Ça n'adore le mihwari. La symétrie axiale. Petit A1. Alors, petit A1, la symétrie d'un point. La symétrie d'un point. Voilà, le matin, il y a un nom, non, pas. Définition. L, majuscule, est une droite. C'est une droite qui s'appelle L. Et M, un point du plan. Donc, L, ou le moussaqi. Ou M, c'est un point du plan. Il y en a donc ta fille Moussa, elle Moussa. M', ou bien M'1, est le symétrique du point M par rapport à la droite L. M', ou elle Moumazi, il y a une M par rapport à la droite de symétrie. Par rapport à L, par rapport à la droite L, ça veut dire l'axe de symétrie. Signifie que M est la médiatrice du segment MMP. M, c'est le symétrique de M par rapport à la droite. Donc la droite, ça sera la médiatrice du segment. La médiatrice du segment. Il y a la médiatrice et il y a la bisectrice. La bisectrice, c'est le milieu d'un angle, mais ça, c'est le milieu d'un segment. Voilà la médiatrice. Alors voilà un exemple. Nous avons ici la droite L, voilà, et nous avons le point M. Alors, on va chercher le symétrique de M par rapport à la droite. Donc, je prends le compas, je fixe sur le point M le clou du compas, je trace un arc. Sans changer l'ouverture, je trace un arc et je trace de l'autre côté un arc. Alors, les deux arcs se rencontrent au point M'. Donc M est le symétrique de M', M' est le symétrique de M par rapport à la droite. Alors la droite, c'est la médiatrice du segment MM'. Hein? La médiatrice, maintenant, le milieu de le segment. Alors remarque, la symétrie, le symétrique du point J, qui est sur la droite L et lui-même. Par exemple, ici nous avons un point J. Le point J, il est sur la droite. Alors, comment on va chercher le symétrique de J? C'est lui-même. C'est un point sur un point. Donc, ça veut dire qu'ils sont confondus. J, J', ce sont deux points confondus, un sur l'autre. Le moment de finir, on voit même ce n'est pas. Donc, ça va comme nous. Bien. A deux propriétés. Bien, là, on va dire ça. Il y a la symétrie ou bien la symétrie. Alors, la symétrie axiale, il y a un tsanador, concerne, il y a un tsanador,
استحسان لي فورم دي فيغور جيومتريك الشكل ديال الاشكال الهندسيه استحسان في البيت. الا كان مثلث غيبقى مثلث، كاين مربع غادي يبقى مربع، كان شبه منحرف غادي يبقى شبه، لا تتغير الاشكال. اون كار لي فورم دي فيغور جيومتريك لي ميزور دي زون سون شانجي لا ميزور. سي اون اونغل، سي اون ا ان اونغل كي ميزور 35 دوغري سي سا ميزور ان اونغل aigu, on va trouver le symétrique un angle aigu de 35 degrés Celsius. Donc on ne peut pas changer un angle aigu par un angle obtus. Non. Il garde les angles, il garde les mesures. Donc maintenant, un mesure est un قياس الزوايا. Là, ça s'agit de الزوايا. Là, ça s'agit de قياس الزوايا. Voilà. Parmi les propriétés. Je termine l'explication. Alors les distances, alors la symétrie axiale conserve les distances, les mesafat, c'est un exemple de mesafat, les périmètres et les ailes. Il y a quelqu'un de moins, c'est un peu moins de moins. Il y a quelqu'un de misère, c'est un peu moins de. Donc en général, la symétrie axiale conserve les formes des figures géométriques, les mesures des angles, les distances et les périmètres et les ailes. Voilà la symétrie axiale. Prenons par exemple un exemple. Voilà la droite L, et voilà un triangle. A, B, C, A, B, 2 cm, A, C, 4 cm, et B, C, 3 cm. Alors, on veut chercher le symétrique de ce triangle-là par rapport à la droite haut. Ça veut dire qu'on conserve le même triangle et on conserve les mêmes mesures. On ne va pas changer les mêmes mesures. Alors, je trace. Comment chercher le symétrique? Bon, je cherche le symétrique de chaque point ou bien de chaque sommet. Je prends le sommet B et je cherche le symétrique, voilà. Voilà le symétrique, donc B comment. Ça c'est. Donc voilà le symétrique, je vais chercher. Donc voilà. Voilà le symétrique, voilà le symétrique. Donc voilà le point B'. Alors passons maintenant à A. Je cherche le symétrique de A. Voilà. Voilà un arc. Et voilà un autre arc. Donc voilà A'. Je passe à C, donc voilà l'arc. Je cherche la même courbure, voilà, et voilà le point C. Alors maintenant, je relie les points avec la règle, voilà AB, et voilà AC, et voilà BC. Donc 2 cm, 2 cm, 4 cm, 4 cm, et 3 cm, 3 cm. Ça veut dire que la symétrie axiale, il garde la même forme, ça veut dire un triangle, il garde les mêmes mesures des angles. Il garde les mêmes mesures des angles, il garde même la distance. Hein? La distance entre B et la droite, c'est 4 cm par exemple, donc on va trouver 4 cm. Donc voilà un exemple de la symétrie d'une figure qui est le triangle. Deuxièmement, symétrie centrale. Ça n'a pas le marquage, ça n'a pas. المركز انا اقول المركز. بون فوالا بريميرمون سيميتري دان بوان اون فاشيرشي لا سيميتري دان بوان بمعنى المماثل ديال واحد النقطة. الوغ ام اي او سون دو بوان ديستان. ام و او نقطتين مختلفتين على المستوى، على المستوى دو بلون. ام بريم اي لو سيميتريك دو بوان ام اي لو سيميتريك دو بوان ام بارابور او بوان او. سينيفي كو او اي لو ميليو دو سيغمون ام بي. Donc voilà le point M, alors voilà le point O, donc je cherche le symétrique de M par rapport à O, donc je trace le clou du compas, je prends la distance M et je trace de l'autre côté. Donc voilà le point M, donc voilà. Alors, M est le symétrique de M' par rapport au point O. Alors, O, c'est le milieu du segment. Alors, voilà, M'
et le symétrique devient par rapport à O. Alors O est le milieu du segment M et P. Il y a une nocte M, il y a l'ouassat, il y a une qui est M et P. Voilà le symétrique d'un point par rapport à un autre point. Deux, symétrique des figures et UL par rapport à un point. Symétrique, il y a le moment où il y a une échelle par rapport à un point. Mais c'est une nocte. Je termine l'explication sur le tableau. Bon, je termine l'explication. Alors maintenant, passons à le symétrique d'une droite. Le symétrique d'une droite. Le moment où il y a une droite par rapport à un point, par exemple. Alors nous avons définition du symétrique d'une droite par rapport à un point O. Issu d'un droit. Le moment où il y a un point mustaqim, بالنسبة لواحد النقطة O, ça n'a jamais un point mustaqim. Et donc, bon, voilà le point O. Hein? Voilà le point O. Donc, on a un point O. Et la droite. La droite qui passe par le point I, J. Elle est passée d'une droite. Bien, alors qu'est-ce que je fais? Je vais chercher la droite symétrique. Je vais chercher la droite symétrique par rapport à A. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends deux points. Je prends deux points qui s'appellent I, J, hein, sur lesquels passe la droite. Et je cherche le symétrique de chaque point. Alors, premièrement, je trace la droite qui passe par OI. Voilà. Et je trace la droite qui passe par OJ, voilà. Et je cherche maintenant le symétrique de chaque point. Alors maintenant, voilà. OI, voilà. I', voilà. IJ, voilà. J'. Alors je relie les points. Je relie les points. Le symétrique d'un segment par rapport à un point. Le symétrique
d'un segment par rapport à un point. Voilà le segment. Voilà le point. Je vais chercher le signe de ce segment-là par rapport à un point. Donc je trace les droites qui passent par. Voilà. Qui traverse O et P. Puis je traverse, je relais les deux points. Ça veut dire la droite qui passe par OA. Même chose que la droite. Je prends la mesure de OP. Et voilà B'. Et je prends la mesure OA. Et voilà A'. Donc voilà A'. Et voilà B'. Donc je relis les deux points. Donc A', B' est une symétrique de A' par rapport à A. Alors AB est le symétrique de A', B' par rapport à O. Le symétrique d'un angle par rapport à un angle. Donc ça c'est un autre exercice. Le symétrique d'un angle par rapport à un point. Voilà. Voilà le point. Alors on va chercher le symétrique de l'angle X, Y, X, Z. Ça c'est un angle. Donc le symétrique de cet angle-là, c'est X', Y', Z'. Ça veut dire, je trace, voilà le point, je trace la droite qui passe par XO, voilà. Je trace la droite qui passe par OY, voilà. Et je trace la droite qui passe par YO, voilà. Et je prends les distances, comme le segment, je prends la distance OY. Donc voilà le signe Y, c'est Y'. Je prends la distance OX, voilà la distance OX'. Et je prends la distance OZ, voilà la distance OZ. Donc voilà l'angle sinus. Donc voilà l'angle sinus. Alors nous avons X, Y, voilà X, Y. Voilà. Et nous avons X, Z, voilà X, Z. Donc voilà. Alors, les deux angles sont symétriques par rapport à, au point O. Et on a dit que la symétrie garde, elle conserve les angles. Elle conserve les mêmes mesures des angles et même les distances. Bon, voilà. Je termine l'explication sur le tableau. Bon, je termine l'explication. Le symétrique d'un cercle par rapport à un point. Alors, ici, on va passer à chercher le symétrique d'un cercle par rapport à un point. Alors, le symétrique d'un cercle, c'est un cercle qui a le même rayon, qui a le même rayon. Donc, nous avons ici le point O. Nous avons un cercle de rayon, par exemple, 3 cm. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà le point O et voilà le centre. Donc, je cherche le symétrique de I par rapport à O. Hein? Donc, le symétrique de I par rapport à O, c'est I'. Voilà. Je prends la mesure, la distance de IX par exemple, le rayon. Le rayon est qui est 3 cm. Donc voilà le rayon égale 3 cm. Puis je trace le cercle. Puis je trace le cercle. On n'a pas. Donc voilà. Voilà le cercle. Bon voilà. Voilà I'. Je prends la distance du rayon. Voilà le rayon IX. Et voilà le rayon IX. Voilà le rayon. Donc ils ont la même distance. Puis je trace le cercle. Donc le cercle, ça c'est le cercle C. Et ça c'est le cercle C'. Alors le cercle C' est symétrique au cercle C par rapport au point O. Alors la symétrie, il y a le symétrique d'un cercle par rapport au point O et un cercle de même rayon. Ça veut dire 3 cm, 3 cm. Ici la distance est la même. Hein? La distance du cercle C est la même que la distance du cercle C par rapport au point O. Je passe maintenant à chercher du symétrique. Le symétrique d'une figure AE. Alors nous avons ici A, B, C, D, E. Voilà. A, B, C, D, E, A. Alors pour chercher du symétrique de cette figure, je cherche le symétrique de chaque point.
Alors, voilà le point O. Alors, E, voilà le symétrique E'. D, voilà le symétrique D'. C, voilà le symétrique C'. B, voilà le symétrique B'. Et A, voilà le symétrique B'. Ça veut dire, je trace la droite qui passe par le centre de symétrie O et les sommets. Donc, O, OE, voilà, E, E'. A, A prime, il passe par O. D, D prime, il passe par O. C, C prime, il passe par O. Ça veut dire la même distance. Et je relis les points. Donc voilà, nous avons A, B. Donc voilà A, B. Nous avons B, C. Voilà B, C. Voilà B, C. Et nous avons C, D. Voilà C, D. Et nous avons D, E. Voilà D, E. Et nous avons E, A. Voilà. Donc voilà A prime, B, A prime, B prime, C prime, D prime. Et le symétrique de A, B, C, D par rapport au point. Alors, je cherche le symétrique de chaque sommet. La symétrie concerne les figures. La symétrie axiale, la symétrie centrale, regarde les figures. Bon, voilà la fin de notre leçon concernant la symétrie axiale, la symétrie centrale. J'espère que vous avez bien suivi les étapes. Comment faire pour chercher le symétrique d'un point, d'une droite, d'un cercle, d'un autre, par rapport à un point, puis par rapport à une droite. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous proposer des exercices d'application sur le même chapitre. Au revoir.